Et yo tout le monde, c'est Pierrock, j'espère que vous êtes tous bien, en tout cas moi, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Until Dawn. Donc là c'est le premier chapitre, 10h. Donc là il y a 10h jusqu'à l'ombre. Le tueur déjà bim direct dès le chapitre 1. Parce qu'en fait on avait fait le didacticiel juste avant, l'épisode 1. Et là on attaque direct le premier chapitre. Sa meilleure amie Dana. Donc celle qui est morte, je crois. Ça c'est la vue du tueur à mon avis. Donc la dernière fois, donc ouais, on était chez le psy et tout et on avait les deux sœurs étaient mortes. Donc Sam, chemin de la station téléphérique. 21h02. Ouais bon, ça on avait déjà vu, ouais. Bon, la caméra se bouge pas énormément. Hein. Ouah, c'est glauque ici. Il y a un corbeau et tout quoi. D'accord, pour examiner les endroits. Ah, là il y a un truc qui clignote, j'ai vu. Alors. Le portail est cassé, donc faut grimper. Tac. Donc j'espère que l'épisode 1 vous aura plu. Rapide, prudent. Vas-y, rapide. Je me prépare, ouais, hop. Sauter, sauter, sauter. Rond. Oh putain, eh, ça va très vite, hein. Vous vous rendez peut-être pas compte en vidéo, mais ça va très très vite, hein. Oh la galère. En même temps, ça doit pas être facile dans la neige comme ça, là. Oh putain, comme il respire le tueur. Ok, c'est reparti. Les vues, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'on est tout le temps en cinématique. C'est incroyable, c'est génial. Salut, petit gars. Un petit écureuil. Bougez pas. Oh merde, j'ai bougé. Ouf. Ah ouais, quand il y a des trucs comme ça, faut pas toucher. C'est bien. Allez. Oh putain, c'est chaud. C'est chaud de pas bouger la manette comme ça. En plus, vous la bougez à peine comme ça, c'est bon, c'est terminé. R1. D'accord. R1, c'est les objectifs en fait. Attendez, je vais pouvoir voir ce que c'est. D'accord, ok. Putain, la forêt quoi. Moi j'irai jamais là-dedans tout seul, hein. Ah, un totem. Ah d'accord, là ils disent les totems. Alors attendez. Donc il y a le totem de mort, de danger, tragédie, conseil, chance. D'accord, ok. C'est en fait par des papillons, ok, d'accord. Et lui? Totem de quoi? D'accord, ok. On m'a dit c'est bon. J'ai compris, hein. Alors. Totem de... Ah, ça c'est le jaune. Un conseil, on dirait. Ouais, c'est ça, conseil. Donc, il y avait un corbeau et Josh. Je crois que c'était Josh. Elle, c'est Sam, ouais, c'est ça, Sam. R1, d'accord. Ok, alors... Ah, c'est ça le truc périphérique là? Donc je dois aller ici. Est-ce que t'es là? Allez là. Ok, je peux passer par la fenêtre, non? Il y avait un truc par là, non? Oula. C'est quoi ça? Ouais, voilà. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Oula, là, c'est écrit avec du sang. Faut aller où, s'il vous plaît? En plus, Chris n'est pas là.
Chris, tu fais chier. Alors, déjà c'est L1 pour le plus vite. Ah, il y a un sac. Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Bah complètement con. Eh ben, regardez-moi ça. Oh, je sens c'est encore une mauvaise blague. Ah, moi je fouille, non? Moi je veux qu'il y ait des problèmes. Ah, les papillons. Ah, mais Ah, j'ai qui as-tu? modifié le terme du jeu apparemment. Salut, Queenos. Chris, ok. Ah, le béguin pour Ashley. Ah, Ashley, je sais pas où il est. Tu m'as fait peur. Attends voir, tu es pas mon assistante? Ah, mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Ah, c'était le téléphone de lui, ok. De Chris. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oula. Juste à côté, tu vas halluciner. Je sens la connerie là. Attends, il y a un truc là. Indice trouvé. Ah, je regarde ça. Sympa. Tu crois qu'on va nous retrouver dans la rubrique fait divers? D'accord, ok. Quelqu'un y a pensé. Quelqu'un est recherché. Personne ne vient ici. Tada! C'est quoi ce truc là? Ouais! Quand même! T'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied Un de stand de tir? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Crockett. D'accord. Ok, allons-y. 21h11. On doit tirer sur les sacs. On dirait bien. D'accord, ok. Et c'est quoi pour tirer? R2. Pour viser. Et je dois tirer sur quoi là? Ah, le truc là, d'accord. J'ai pas eu, c'était tout petit, hein. On voit à peine. Ok, donc là c'est ici. Bim. C'est quoi ça par terre? Une canette? D'accord. Joli tir, cow-boy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, Camille. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Oula. On va pas tirer sur l'écureuil quand même. Non, moi je tire pas sur l'écureuil. Hein. Joli tir. Et regarde-moi ça. Hey, Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hey, je commençais juste. J'ai sauvé l'écureuil, je savais. Il vaut mieux pas tirer des fois. Ça fait déjà 8 minutes. On n'aura pas fait grand chose non plus dans cet épisode. Non, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivé, tout m'est revenu en 2 secondes. Non, c'est rapide. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Ok, vas-y, ouvre-moi ça, toi, Chris. De toute façon, vous inquiétez pas, il y a un épisode tous les jours de Until Dawn. Chris est galant. Hôtel et Santarion. Pour faire une maison, même en étant plat aux as. Ok.
acheter qu'une montagne. Ah ouais, c'est sûr. Ah, y'a quoi ici? Oula! Hein? Ok. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres trucs. Bon, ça, j'ai déjà vu. Ah, et ben voilà, il arrive. Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Bah, il fait quoi, l'autre, là? Regretter quoi? Tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur bizarre. De savoir avec lui. J'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Mais oui, les autres le pensent aussi. C'est cool de te parler. Tu sais quoi, bon, il va pas rester le... Enfin, je sens que ça va être le bordel après. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et... Eh ben, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans cette en CE2, en soutien-gorge. Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. L'effet papillon. Ce papillon est étrange. Donc ça c'est qui ça? Jess, la nouvelle copine de Mike. D'accord. Tiens, tiens, tiens. De nouvelles personnes. Allons les accueillir. Ok, allez, on va les accueillir. C'est parti. C'est quoi ça? Jess! Hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Et vas-y, aide-les. Oh putain, bordel! J'ai cru qu'on était fichu. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Oh, t'es un peu... Et t'es là depuis 2 secondes. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hé, Chris. Je fais juste ce que ça m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. C'est un relou, lui. Non, insiste. Prends-moi ça, gros débile. Débile, c'est vrai. Mais fier de l'être. Oh, t'es vraiment trop con. Peut-être que les gros malins dans ton genre feraient mieux de se mêler de... leurs affaires. Exactement. Ouais, j'évite de le faire, parfois. Allez, Jess, tu peux nous le dire. On sait garder des secrets. Peu importe. Vous le découvrirez tôt ou tard. D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire... Peu importe. On verra. Sam? Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Ah bon? Parfois j'oublie de...
s'il n'y avait pas la tempête, ouais. Sérieux, vous n'aurez pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique ? Emily. Ex de Mike. Maintenant, petite tenue d'Emily. Ok. Et notre porteur, hein ? Il est où ? Oula, elle est relou, elle. Eh oh, hein ? Oh, j'ai des frissons. Il y a presque. Non, c'est juste que je commence à faire. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, elle commence à flipper. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ! Putain, mec ! Mike. Ah, il a fait le con, Mac. Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux. Putain, mec, j'ai failli te frapper. Ça va ? Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fait chaud. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? Oula, elle chante, elle. L'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Ouais, vas-y, menaçant, là. Michael, tu vas devoir t'y faire. Emily et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Et je vais pas te le répéter. Ouais, hein, attention. Est-ce hein. qu'on se comprend bien ? Eh ben, je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Bon, d'accord. Mike. Non, non, non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Être plus mature et me démerder par moi-même. A plus. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Oh, merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Ouais, je vais être gentil, mais bon. Bon, d'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon ? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Merci. Eh ben, dis donc... Ashley, ok. Donc les deux ont des gains pour l'autre. Ashley et Chris, ok. Oh. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Mais pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ça c'est pas pour mal ça. Emily, je t'aime pas du tout. Oh putain! Bordel! Hey, désolé. Désolé, H. Je suis désolé, je voulais pas te faire bon peur. Bon sang! Ouais, bah, je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier! Oh, et bah, non, mais désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Ouais, je vais l'encourager. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. On fout le bordel dans le chalet. Ok. Putain de merde. Ça a bardé. C'est quoi ce bordel? Hey, écoute, c'est sûrement rien. Ah, rien? Tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein? Je sais pas... Oh, fais chier. Matt. Oula, il va y avoir un bruit dans le chalet. À cause de moi en plus hein. Ah, je suis pas sympa. Elle attend comme une connelle. Portable.
Vas-y, va voir le portable. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Allez, faire une boule de neige. Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça... Hey. Touche-le. Bim. Dans ta face. Et bim. Carré. Wouhou. Putain, pourquoi y'en a ça? Ok. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais par cœur. Ils ont dit qu'il fallait vaut mieux rien faire, donc je vais rien faire. Ouais, comme ça j'ai une boule de neige pour le tirer dessus. Ouais. Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Pour ça, c'est pas un jeu d'horreur. Hein. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord. Alors, te rends-tu, vil Manon? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok. Ça sonnait un peu sale, là. Madame. Vas-y, faire une boule de neige. On va faire un petit râteau. On sait qu'il attendait que ça, en fait. Ok, toi, tu vas être puni. Puni comment? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer aussi. Oh, le vilain. Ouais, c'est joli ici, pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Ok, bon les gens, on se reprend dans un instant. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Nous avons à peine effleuré la surface. La dernière. Donc on se retrouve au psy. Essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Oh. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Pas de problème. Bon, ouais, personne. L'avion ou la foule? La foule plutôt. L'avion, ouais, pas trop. Le vertige ou la noyade? Ah. Ah, j'aurais plus dit le vertige. Hop. Oh, le serpent, la robe, ça fait pas peur. Ok. Couteau. Putain, c'est bizarre. Oula. Bah, toujours le serpent. Hein. Au pire, le cafard, tu l'écrases. Oula. Le clown, il me fait grave flipper. Hein. L'épouvantail, non, pas trop.
Ah ouais, ça. Corbeau, bon, c'est un oiseau, quoi. Oh. Oula. Je vous ai fait peur. Mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Quand tu veux que je me détonne après ce que tu viens de faire. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Ok. Non, non, les serpents. Non, les aiguilles, ça me fait pas peur. Allez, voir. Ouais, non, les clowns toujours. Hein. Tout bon, la tête de zombie, ça se voit qu'il est pas très sérieux. Non, le loup non plus, ça fait pas peur. Mais il pose toujours avec le même truc. Ouais, non. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Ok. Les serpents, les clowns, les entrailles. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Et donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a mis beaucoup plus de temps que d'habitude. J'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Et surtout, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.